Next up for our welcome party, I'd like to welcome the CEO, President and CEO of the Rezidor Hotel Group, Mr. Wolfgang Neumann. Thank you. Thanks, messieurs. Monsieur le Premier ministre, Madame le ministre, Mesdames, Monsieur le ministre, chers invités, ladies and gentlemen, it's a great, great, great pleasure to welcome you all to the Radisson Blu 2 Février. This hostel has undergone an extensive refurbishment. It was closed for 10 years. And what you see today is a real flagship hotel. A flagship hotel for the city of Lomé, for the country of Togo, but not only for the country and the city, but I think for all of West Africa. It's a real unique hotel. It has an amazing history, great heritage. I hope you will have the time to discover it, wander around, and feel really at home. And over the next 2 days, feel welcome. And the person who will make it happen for you to feel welcome is Fernando Gutenberg and his team. Fernando, where are you? Fernando, back there. He's your host. He looks forward with his team. Fernando, thank you very much for all the great work that you have done. For Carlson Rezidor, you can imagine it's a real honor to operate this hotel. And we are grateful for the Togolese government, and we are grateful for Kalyan Group. Ashok, thank you for your trust. We look forward to working with you together and bringing this hotel to really where it belongs here on the African continent. Now that I have the opportunity to stand in front of you here, I wouldn't want to miss the opportunity to tell you how much we believe in Africa as Carlson Rezidor. Not only believe, but how committed we are in the African continent and how fast we are growing, actually. Today, Carlson Rezidor has almost 70 hotels on the African continent with some 15,000 rooms. We are signing a deal almost every 37 days, and we open a hotel almost every 60 days. And you know, in Africa, it's not only about signing hotels, it's about actually opening them. That's the critical thing. And I was just 3 weeks ago at the grand opening of the Radisson Blu in Abidjan, another great hotel here in West Africa. And Radisson Blu is not only the largest upscale brand in Europe, but it's also the fastest growing brand on the African continent. Enough of Carlson Rezidor advertisement, but you will have the opportunity to meet many of my colleagues here at the stand under the leadership of Magdi Kozai and Andrew McLaughlin. As we're here together, I'm sure we all agree that Africa is a continent of opportunity. And let me just cite two little facts to underline the opportunities that this continent offers. By 2050, 25% of the world population will be, working force will be in Africa. And over 50% of the population is under 25 years of age. Just think about these two dynamics. And the opportunities that are there for us are really massive in all of the 54 countries on the African continent. And therefore, Matthew, we are really grateful to you and Bench for making an event happen like this, where we can all come together, where we can discuss, exchange ideas, challenge each other, see where, how we can exploit the opportunities together. But if I may, I may just remind ourselves also that with opportunity comes responsibility. And responsibility, I think we as hotel operators and the people in the tourism, hotel and tourism industry also need to remember that we need to create employment, that we need to give the teams and the talent locally in the hotels that we operate the opportunity to develop. And we also need to play an active part in the local communities where we operate, to give back to the local communities and to help in the development well beyond just opening a hotel. And thirdly, I would also say that we all need to remember that we have a responsibility to act responsible, to make sure that there's a sustainable approach to tourism and that we preserve the unbelievable beauty of this continent. So here's to all our opportunities. I look forward to engaging with you. Thank you for being with us and have a great conference. Thank you.
Thank you, Wolfgang, for all your support. And on to Ashok Gupta, my good friend and chairman and founder of the Kalyan Group, if I can ask you to come up and say a few words. Thank you. Your Excellency, the Prime Minister of the Republic of Togo, Your Excellency, the Minister of Trade, Industry, Private Sector and Tourism, Honorable Members of the Parliament, dear friends, ladies and gentlemen. It gives me a great pleasure to welcome you at Kalyan Group's first property operated by Radisson Blue Hotel du Fauvia for this event. We at Kalyan Group are very proud to receive you in this fantastic property, a historical building that we have renovated in a record time of 15 months. Being our first hotel and entry into the hospitality sector in Africa, everybody will agree to say that an amazing work has been done in such a short period of time. We are delighted with the results, and we strongly believe that we have managed to revive this building to turn into one of the best hotels on the continent. The jewel of Africa has reborn, and thanks to a fantastic team, we faced many challenges, many difficulties, and it was not always a pleasant journey, but we made the impossible possible, and I want to praise all the parties involved in this success that made this dream come true for the people of Togo, for the country, for the region. We wish to give a special thanks to our main partner, the Government of the Republic of Togo, for the support provided, but moreover, for the trust and confidence we were shown during this 1.5 year journey. We are convinced that this new property will allow Togo to become again a conference hub for the region and for the whole of Africa. With more than 3,500 square meters of conference event facilities, I'm sure that Lomé will be able to attract high-level events and host significant international meetings. We are pleased to contribute to the rebirth of the business tourism sector in Togo. It is our duty and our responsibility to showcase to the world what Togo has to offer. And along with the huge infrastructure developments taking place in Togo, including new airport, expansion of the new port, Kalyan will play a major role in the growth of this country. We are proud to see that for the first time, the Africa Hotel Investment Forum is taking place in West Africa and in a French-speaking country. I will not deliver a long speech. I just wanted to give you a few welcoming words and some background about this property. We will have plenty of time to exchange within this forum within the next 2 days. And I look forward and welcoming to all of you at tonight's cocktail hosted by Kalyan near the pool area. Once again, welcome to Hotel du Fauvia, and thank you for your presence. Thank you. Thank you so much, Ashok, and thank you so much for all your support for letting us host Africa Hotel Investment Forum here. And it's my great honor and privilege to now present the Prime Minister to say a few words. Prime Minister, if I may, thank you. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la CNDH, Monsieur le Ministre d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement togolais,
Madame la ministre du Congo-Brazzaville chargée du tourisme, Monsieur le ministre du Zimbabwe chargé du tourisme, Mesdames et Messieurs les représentants des pays amis, Madame la coordinatrice du système des Nations Unies au Togo, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, honorables députés à l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du MAEP, Monsieur le Directeur Général du groupe Radisson Blu, Monsieur le Président Directeur Général du groupe Kalyan Hospitality, Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux de sociétés et de groupes hôteliers internationaux, Mesdames et Messieurs les responsables des compagnies aériennes, Mesdames et Messieurs les experts, distingués invités, Mesdames et Messieurs, avant tout propos, je voudrais, au nom du Président de la République, Son Excellence Monsieur Faure et Sozimna Nyasingbe, et au nom du gouvernement togolais, vous souhaitez la chaleureuse et cordiale bienvenue au Togo. Nous sommes heureux de vous accueillir dans ce majestueux cadre qu'est Radisson Blu 2 février, rénové à l'occasion du Forum international dont le thème très révélateur porte sur les investissements hôteliers en Afrique. Le choix d'un tel thème comme axe principal de 2 jours de réflexion, préfigure déjà la volonté des acteurs et professionnels que vous êtes de réfléchir sur de nouvelles opportunités susceptibles de répondre efficacement aux aspirations d'une clientèle de plus en plus exigeante sur les qualités des prestations, mais aussi sur la sécurité. Mesdames et Messieurs les participants, quelle heureuse coïncidence pour ce magnifique hôtel qui vient de réouvrir officiellement ses portes le 26 avril dernier, après plusieurs années de fermeture pour cause de réhabilitation, et d'accueillir sa toute première rencontre internationale consacrée justement aux questions relatives à l'investissement dans l'industrie hôtelière en Afrique. Le peuple togolais vous en sait infiniment gré et vous remercie pour le choix porté sur Lomé pour servir de cadre de réflexion sur cette question cruciale. Votre présence dans notre pays prouve à suffisance l'engagement de tous les acteurs de la chaîne hôtelière à œuvrer aux côtés du gouvernement togolais et des opérateurs économiques dans leurs efforts en vue de promouvoir les nouvelles bases pour le développement de l'hôtellerie et du tourisme au Togo et dans la sous-région ouest africaine. La diversité d'acteurs venus d'horizons aussi divers que lointains reflète bien le caractère pluridisciplinaire, transversal et coopératif que requiert la profession hôtelière. Je voudrais à cet instant saisir cette occasion pour remercier chaleureusement les responsables de la société Bench Events, avec lesquels le Togo a pris l'initiative de cette heureuse rencontre d'échange. Nous avons pu mesurer en si peu de temps le degré de leur collaboration naturellement et de leur disponibilité totale. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, grâce à l'essor des nouvelles technologies, le monde est devenu aujourd'hui un village planétaire où tous les secteurs d'activité évoluent à un rythme effréné et les exigences de qualité sont devenues partout des référentiels de compétitivité sur le marché international.
Dans le domaine des voyages d'affaires et des séjours d'agrément, de nouveaux paradigmes s'établissent au regard des défis majeurs actuels et qui sont essentiellement liés à la sécurité, au confort et à l'excellence dans les prestations basées sur un meilleur rapport qualité-prix. Ces nouveaux paradigmes conduisent les professionnels du secteur touristique et hôtelier que vous êtes à repenser le choix des sites d'implantation des infrastructures d'accueil et d'hébergement, de leur équipement, la fonctionnalité de leur agencement, la sécurité des établissements et la qualité des prestations du personnel affecté aux diverses opérations dans les hôtels. Voilà donc autant de prérequis du monde des affaires et des loisirs qui conditionnent aujourd'hui les investissements en général et les investissements dans le tourisme et l'hôtellerie en particulier. Distingués invités, mesdames et messieurs, pour renforcer le positionnement concurrentiel de l'hôtellerie togolaise, le gouvernement s'attelle sans relâche à améliorer sensiblement les infrastructures hôtelières, de même que le niveau de compétitivité de la chaîne de transport routier, aérien et portuaire. Par ailleurs, dans sa volonté de tenir compte des effets néfastes du réchauffement climatique qui crée des dommages à l'écosystème, le gouvernement veut aussi promouvoir l'écotourisme afin non seulement de préserver notre environnement contre certaines formes de dégradation, mais aussi pour diversifier l'offre en vue de mieux attirer toutes les catégories de clientèle internationale. Il s'agit donc pour nous aujourd'hui d'activer la dynamique du renforcement de nos pays en structures d'hébergement, de loisirs haut de gamme, de façon à répondre à la demande sans cesse croissante afin de mieux nous positionner sur le marché du tourisme international qui représente un secteur à forte croissance pour les pays en développement comme les nôtres. C'est donc à juste titre que le gouvernement togolais a fait du secteur du tourisme une priorité en accélérant le processus de renforcement de capacité des infrastructures hôtelières de qualité. C'est le cas notamment à travers la rénovation de l'hôtel de février qui nous accueille en ce moment, la construction de nouveaux hôtels de grand standing et surtout l'accompagnement des investisseurs privés nationaux et internationaux par le biais des facilités accordées. À cet égard, je saisis cette occasion pour exprimer au nom du président de la République, du gouvernement et du peuple togolais tout entier nos sincères remerciements à tous les partenaires et singulièrement au groupe Kalyan et Radisson Blu qui nous ont accompagnés dans la rénovation de ce joyau de l'hôtellerie togolaise. Ce chef-d'œuvre, qui s'appelle désormais Radisson Blu Hôtel de Février, avait par le passé contribué à écrire les plus belles pages du tourisme, mais aussi celles des conférences internationales, telles que les conventions ACPUE, connu sous le vocable de Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, Lomé 4 et j'en passe. Il nous offre aujourd'hui son cadre rénové pour abriter pendant 2 jours le présent forum qui a l'obligation de produire des résultats concrets à la satisfaction de tous les acteurs véritablement engagés dans ce partenariat gagnant-gagnant. Mesdames et messieurs, le présent forum qui vous réunit est donc la preuve irréfutable de l'importance de plus en plus grande que prennent le concept et l'approche du partenariat public-privé dans les stratégies de développement de nos pays, de la création de la richesse et du bien-être de nos populations.
À cet effet, j'invite chacun des participants à jouer à fond le rôle qui est le sien, afin qu'à l'issue de cette rencontre capitale, des résultats probants soient engrangés en termes d'investissements conséquents dans l'hôtellerie togolaise ainsi que dans celle des pays de la sous-région. Le Togo est certes un pays de dimension modeste. Il dispose cependant des avantages comparatifs liés, entre autres, à des paysages bien diversifiés, dont une côte salubre, propice aux sports nautiques et des cultures authentiques consignées dans le plan directeur de développement et d'aménagement touristique. En outre, grâce à un vaste programme de grands travaux, le réseau routier se renforce, le port autonome de Lomé se modernise davantage et une nouvelle aérogare construite à Lomé, ainsi que la rénovation en cours de l'aéroport de Niamtogo sont autant d'atouts qui font du Togo, comme le rappelait encore tout récemment le président de la République, je cite, une destination d'investissement sûre vers les pays de l'Afrique de l'Ouest, fin de citation. Lomé, notre capitale, est devenue un hub régional avec la compagnie aérienne panafricaine Askai, qui est en joint venture avec le géant africain Ethiopia Airlines pour le renforcement de la desserte des pays de la sous-région avec le reste du continent, mais aussi vers d'autres destinations à travers le monde. Ainsi, à compter de juillet 2016, Askai, en collaboration avec Ethiopia Airlines, va inaugurer une ligne directe entre Lomé et New York, renforçant ainsi son réseau de connectivité avec le Nouveau Monde. De nouvelles compagnies aériennes sont annoncées pour desservir Lomé. Il s'agit là d'un précieux facteur de l'intégration africaine voulu et soutenu par nos chefs d'État. La politique de redynamisation hôtelière et touristique voulue par le gouvernement togolais a pour objectif de diversifier les bases de notre économie. Il s'agit d'offrir une hôtellerie de qualité. C'est fort de cela que le Togo souhaite la sédentarisation de l'organisation du Forum des investissements hôteliers à Lomé pour l'Afrique francophone. Votre contribution à la mise en valeur de notre patrimoine national pourra rapidement conférer de nouveau à notre pays un statut de destination touristique privilégiée. Les besoins du Togo en la matière s'expriment en termes de renforcement du développement du tourisme de congrès, du tourisme sur le littoral ou à l'interland du pays, de l'écotourisme également à travers des circuits guidés et excursions qui permettent de découvrir des sites, monuments et manifestations culturelles riches et variées qui sont programmés durant toute l'année dans le pays. Les spécialistes de ces questions, ainsi que les opérateurs privés togolais et étrangers, vous exposeront plus amplement pendant les travaux et les échanges nos différents projets qui marquent en ce sens notre ambition pour le tourisme togolais que nous voulons voir prospérer dans un futur proche. Mesdames et messieurs, je ne doute pas un seul instant de votre intérêt pour la promotion des investissements hôteliers dans notre pays et dans la sous-région ouest africaine. Vous trouverez sur place un accompagnement financier auprès de nos banques régionales de développement. À ce propos, et pour des intérêts mutuellement partagés, le gouvernement, sous le leadership du chef de l'État, a engagé depuis plusieurs années déjà d'importantes réformes
afin d'améliorer sensiblement le climat des affaires au Togo. Au titre de ces réformes, nous pouvons citer, entre autres, la création du Centre de formalité des entreprises CFE, qui a pour vocation de simplifier les formalités de création d'entreprise, de réduire les délais et de diminuer sensiblement les coûts. La rationalisation des procédures d'obtention du permis de construire, la réduction de la fiscalité applicable aux entreprises en matière foncière, l'opérationnalisation du guichet unique pour le commerce extérieur, le code des investissements avec ses avantages fiscaux et douaniers, et j'en passe. Toutes ces réformes ont permis à notre pays d'être classé par la Banque mondiale en 2015 parmi les 10 meilleurs pays réformateurs au monde en matière d'amélioration du climat des affaires. De surcroît, elles ont renforcé l'attractivité du pays. Un des indicateurs de cette attractivité et dont vous aurez certainement besoin comme levier essentiel en matière d'investissement est bien entendu le rythme soutenu d'implantation des banques au Togo, dont des grands groupes de renom, mais aussi des filiales de grands groupes internationaux. Vous aurez l'opportunité d'aborder au cours des échanges et d'approfondir toutes ces questions et bien d'autres encore relatives à l'installation de vos entreprises et surtout au libre exercice de vos activités respectives au Togo. J'invite donc les promoteurs de l'industrie touristique et hôtelière que vous êtes à venir saisir les opportunités naturelles, humaines et logistiques qu'offre notre pays. Au rang des conditions offertes, figure en bonne place le facteur sécurité qui, au regard des menaces terroristes planétaires, constitue sans nul doute le référentiel majeur et indispensable à la promotion et à l'optimisation efficiente de vos investissements. Il est évident que la question hôtelière est multidimensionnelle. Concernant justement la problématique sécuritaire, je voudrais avec loisir vous annoncer que, sous l'égide de l'Union africaine, le Togo, notre pays, s'apprête à abriter au mois d'octobre prochain à Lomé le sommet extraordinaire sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique. Vous conviendrez avec moi que sans la sécurité et la paix, aucun investissement fructueux n'est possible. Nous devons donc agir collectivement et maintenant. Je souhaite que ce forum sur les investissements hôteliers ouvre de nouvelles perspectives, notamment l'identification de financements innovants susceptibles de favoriser le développement de l'industrie hôtelière et touristique dans nos pays à la satisfaction de tous les investisseurs professionnels impliqués. C'est donc sur cette note d'espoir que je déclare ouvert les travaux du Forum international sur les investissements hôteliers en Afrique et je vous remercie pour votre aimable attention.